Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur la mise à jour des SSO. Et aujourd'hui, c'est des nouveaux chevaux qui sortent et on va l'acheter avec vous. Alors, faut savoir qu'il y en a un à Fort Pinta et les autres sont là-bas, ailleurs, voilà. Les autres, ils sont à Fitgrave. Il y a lui de Fort Pinta qui est là-bas. Bon, bah nous, on va y aller à Fort Pinta. Et voilà. Alors, c'est les chevaux finlandais, je crois. Je sais pas si je le prononce bien, mais voilà. Chevaux finlandais. J'ai fait une petite faute d'orthographe en parlant. Voilà. Alors, moi, il y en a trois qui m'ont fait craquer, mais je t'avoue. Alors, pour vous dire vraiment, ils sont tous mignons. Hein. Il y en a aucun qui est plus mignon que l'autre. Moi aussi, je veux bien devoir faire un choix. Parce qu'il est quand même au prix de 850 starpoints. Un prix très raisonnable pour des nouveaux chevaux qui a l'air avoir des très bonnes animations. On va déjà à Fort Pinta. Il faut savoir que moi j'ai 1316 starcoins. Ah, attends. Ah bah non. Je me suis trompée. Lui il n'est pas à Fort Pinta. Ah bah ça m'étonne. Je croyais que c'était un autre. La bande annonce en vrai c'est des balles lui qui était à Pinta. Alors il y a le chouchou. Il est très mignon. C'est plutôt le poney finlandais, on va dire, parce qu'il fait à peu près mon taille. Ouais. Alors, il est adapté au froid. Il a 4 de puissance, 2 de discipline et 1 d'agilité. Il est bien au prix de 850 starcoins. Vous mettez la pause de la vidéo si vous voulez lire. Voilà. Mais c'est pas lui que je vais acheter, je pense, bien sûr. Parce que voilà, je suis pas sûre. Alors, lui, il est... lui, c'est une robe à peu près Rouen, on va dire. Rouen, ouais. Je sais pas si on appelle cette robe Rouen, mais on s'en fout. C'est pas très bonne pour ce style de robe. Je vais le mettre plus bizarrement, comme ça. Hein. Déjà, il est Rouen avec quelques pommelures. Il est craint à laver. On va voir les petites animations. Mais déjà, je pense que c'est pas lui que je vais acheter. Il y a une petite liste. Je pense que je vais prendre l'animation spéciale. Bon, bah, voilà lui de Fort Pinta. On va passer à ceux de Fingrove. Je vais juste récupérer à la boîte aux lettres les trucs qu'on m'a mis parce que j'ai eu des récompenses et tout ça. Je vais. Et après, on va à Fingrove. Promis. Oui, bon, le truc, c'était des codes qu'on m'a mis sur mes deux comptes. Parce que j'ai un deuxième compte qui est Cédrina, Peach, je sais plus quoi. Donc, je suis level 5. Alors, un cadeau. Je vais vous montrer le t-shirt. Alors, voilà le t-shirt qu'on a eu. Par un code, c'est pouce en l'air. Voilà, un petit peu. Il est comme ça le t-shirt. Voilà, il est bien. C'est pas le meilleur t-shirt, mais je le voulais juste pour faire des tenues et tout ça. Allez, je remets mon petit t-shirt normal. Maintenant, on va voir ceux de Fitgrove. J'ai hâte de les voir. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Bon, on va à Fitgrove maintenant. Alors, je pense que c'est plus ceux de Fitgrove que je vais prendre. Le van Fitgrove. Allez, on y va. Je pense que j'ai quand même quelques idées. Déjà, je vais prendre la coupe. Leur coupe spéciale. Parce que je la trouve trop belle. Elle rend trop bien. J'ai hâte de voir les petits loulous. Ils sont trop mignons. Je les ai mis. Je me suis spoiler parce que j'ai hâte qu'ils sortaient. Après, si vous voulez regarder d'autres vidéos sur ces chevaux, sur les chevaux finlandais, bah il faut regarder Inigramus. Oh là là, le monde! Est-ce qu'il y en a? Oh, mais ils sont nerveux. Ils auraient pu pas se mettre au moins sur les chevaux. Alors, moi je vais poser mon cheval. Je suis plus gentil, bah je vais pas me mettre dedans. Alors, là on a le Palomino. Voilà, je vais me mettre en dessous. Ah ouais, il est quand même
Il est pommelé aussi. J'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup de chevaux pommelés. Il n'a pas de balzane. Bah, peut-être parce qu'il a du blanc, mais particulièrement, je vois pas de balzane. Voilà. Il est assez sympa, mais je pense pas que c'est lui que je vais acheter. Mais il est très beau. C'est bien mon style. Pardon, les filles. Ah, le noir, j'aime trop. Il est trop beau, j'hésite de prendre le noir. On voit qu'il a une grande liste, des balzanes. Bon, vous voyez pas, voilà, il est comme ça. Il a des listes, des balzanes, il est mignon. Par contre, après, le problème, c'est que j'ai pas de nom. Ah, personne n'est sur le gris, miracle. Le gris, je le trouve trop beau. Mélissa, elle a dit Mélissa, Unicornis. Je pense qu'elles vont plus acheter celui-là parce que... Mélissa, déjà, on est 100% d'accord qu'elle va acheter celui-là, hein. Mon chouchou, il est trop beau. C'est lui, mon chouchou. Particulièrement, oui, c'est mon chouchou. Vraiment, il est trop beau. Alors, il y a celui-là aussi. Il est trop beau. Lui, c'est un alezan, je crois. Et on a celui-là, que je ne trouve pas particulièrement trop beau. Mais voilà. Alors là, c'est le choix le plus difficile au monde. Lequel j'achète ? Il y en a 4 que j'aime bien, faut savoir à peu près. Qu'est-ce que je fais là, moi ? Le gris, il est beau aussi. Mais je pense que lui, vraiment, c'est quand même un coup de... Aïe, poussez-vous, pardon, merci. C'est quand même un petit coup de cœur, il est trop beau. Celui-là, c'est pas, il faut qu'on parle. Celui-là aussi, il est trop beau. Bon, en fait, si vous avez compris, ils sont tous trop beaux. Bon, bah, on va prendre l'achat de notre poney. Mais lequel prendre ? Aucune idée. Lequel je verrai plus avec moi ? Ouais, on va voir ça. J'ai pas beaucoup de noir dans mon écurie. Ce serait bon. Déjà, je me refuse un palomino, j'en ai assez. Hein. Oui. Voilà. Bah, je sais pas, c'est trop dur. Lequel je pourrais acheter ? Déjà, pas le gris pommelet. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit l'avoir. Celui-là, peut-être. Je sais pas. Bah, je pense que j'ai fait mon choix. J'ai acheté celui-là. Il est trop beau. Par contre, maintenant, c'est le nom. C'est autre chose, ça. Alors, nom. Bord dans l'aléatoire. Jade Lime, non. Far Romper, non. Snow Spider, non. Lucky Flyer, non. Jewel on Cam, non. Very Winter, non. Bon, j'ai trouvé un nom comme ça. Pourrait avoir Starlight, ça lui irait bien, mais je pense pas trop en fait. Ah, je sais pas. Non, je veux pas avoir des idées dans son. Non, ni cute. Ah, je sais pas comment l'appeler. Ça pourrait être un mâle déjà. Onyx. Onyx Pearl. Non, je gueule. Dragon, Dragon Off, Baby Man, c'est mignon. Opal Whisper, Onyx Master. Je vais l'appeler, j'ai une idée, Grimace. C'est mignon. Non, mais il bouge tout le temps. Grim, c'est vous Grim. Grim. Grim, c'est où ça? G avec un R. J'espère qu'il y a Grim, hein. Je sais qu'il y a Grim. J'espère pas qu'ils l'ont retiré. Bon. Non, je veux pas Blue. Mais. Grim, c'est où Grim? Je sais qu'il y a Grim. Grim. As. Ace. Voilà. Grimace! Je l'ai! Oui! Par contre, là, je vais vraiment être ruinée. Vous allez voir mon argent. Je pose mon truc là. Bon, bah, Grimace, hein, est chez nous. Il est trop mignon. On va voir mes Star Coins. Il me reste 466. J'arrive, poney, on y va! T'es où, poney? Ah, je trouvais même plus mon dada tellement qu'il y avait du monde. Allez, on y va. On va faire échappe, appeler, reconduire. Et on va voir le petit Grimace.
suis contente. Mon premier cheval alezan, on va dire alezan crème, parce que quand même c'est une robe pas commune. Hein. Je suis contente. Et surtout, vous ne spoilez pas, hein, les filles, si vous avez acheté les chevaux. Mais je pense pas. On va aller voir le coiffeur après pour que le reglouquer, mon loulou. Ou sinon, je le reglouque pas, voilà. Et j'ai hâte de voir les petites animations. Oui, oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'achat sur SSO, mais en vidéo, bien sûr, parce que j'en ai fait, ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait même pas 3 semaines, j'en ai acheté un. Hein. Ah, Grimace, il doit être dans le pré. Grimace, il est là. Il est là. On va le mettre à la place de... Bon, bah, on va le mettre à la place de... De Rockstar. On va le mettre là parce que j'ai juste la flemme de faire un pas de plus. Waouh, il est trop mignon. Oh, il est trop mignon. Coucou Grimace. J'ai bien fait de l'appeler comme ça. Oh, il est mignon. Il est mignon. Bon, on va le monter et on va lui faire une tenue. Je vais juste reprendre ma selle noire et mon truc. Aïe. Pardon, j'aimerais bien avoir mon équipement, s'il te plaît. Voilà. Une tenue, je vais essayer de faire un truc original. Allez, on va monter Grimace. Ah, Grigri, c'est trop mignon. Oups, je vais éviter de me spoiler. Oh, il est trop mignon, j'ai trop envie de le monter. Alors, ils peuvent avoir les brides du frison, faut savoir. Pareil que les chevaux. Ah, je vois son trot. Il a l'air trop drôle. Alors, tape équipement pour notre pony. On va lui mettre un truc rouge, peut-être. Là. 3. Tapis. Je veux des tapis mous. Pourquoi prendre quel tapis? Non, en fait, je vais mettre mon tapis blanc. Je vais mettre mon tapis blanc, cette celle-là. Je sais pas particulièrement si je le fais de tenue. Je vais enlever les nœuds. Voilà, c'est pas mal ça. Allez, on y va. Allez, Grimace. Il est trop mignon. Et là, il y a mon... C'est possible que ça vienne mon cheval préféré du jeu. Mince, je voulais pas vous spoiler. Là, c'est Batman. Mon cheval préféré en vrai. Mon petit quarter horse. Allez. Je vais ranger quand même mon loulou. Le bichy. Allez, on y va. On va faire la revue des allures dans la carrière. De... On va dire dans une carrière, mais il n'y a pas de carrière. Hein, où j'habite, bien sûr. Il n'y a pas de carrière. Allez, galop. On y va. Je vous promets, j'essaye de pas regarder les allures. Oh, il va vite, hein, pour le cheval level 20. Allez, Grégory. Allez, Grégory. Wouhou. Top. On est arrivé. Alors, on va commencer pour voir la revue des allures. Alors, déjà, à l'arrêt, il fait des petites animations. Toutes mignonnes. J'irai voir le coiffeur déjà. Et après, j'irai. Il fait de la danse, je crois. On va tester l'animation spéciale. Il est trop mignon. Je vais prendre une petite photo. Oh, c'est trop mignon à voir. Encore plus mignon que le cheval de Sauvage Jervis, quoi. Regardez cette bouille. Quand même, cette bouille. Oh, c'est trop mignon. Vraiment, je craque. On va prendre toute la bouille du pony. Quand même, c'est pas mignon, ça. Un petit pony. Quand même, c'est pas mignon. Allez, Grimace. Après, quand il se relève, c'est plutôt bien fait. Alors, on part. Hop. Les crins, ils bougent déjà ou pas? C'est animé. Le pas, il est bien. Peut-être que quand il va au pas, peut-être qu'il étire trop les membres vers l'arrière. Là, il va trop vers l'arrière. C'est possible.
Bah après, il a l'air plutôt correct, juste qu'il va peut-être son membre là, son membre d'ici, il va trop vers l'arrière. C'est possible. Limite, ça fait... Limite, tu vois, il avance, et après, là, l'autre, il va juste à 2 km son membre. Regardez. Là. Ce moment-là. Oui. Et... Alors, le trot. Après, je sais pas trop parce que je suis pas spécialiste. Le trot, il bouge la tête. Les membres, ça a l'air bien. Il n'y a pas de saccade, je crois. Vers les crins, ça bouge. Allez. La queue, elle bouge aussi. Le toupet aussi. C'est bon. Le petit galop, il bouge bien ses crins. Il a l'air pas d'avoir de saccade des deux côtés. Il accompagne vers l'avant. On voit que la cavalière, quand même, peut-être... Eh, vous remarquez, la cavalière, quand elle est au galop, elle fait... Elle fait... En fait, elle fait, fait équilibre, elle revient dans la selle. On dirait qu'elle fait brusquement. Peut-être qu'il faudra travailler sur la position de la cavalière. Allez, moyen galop. Je vais essayer de faire de l'autre. Les crins, ils sont animés, c'est bon. Vous voyez, dans la position. Au grand galop, ça... Au moyen galop, ça va, ça se voit pas. Ça, elle le fait... Ça se voit moins, mais elle le fait. Toujours, je crois. Mais le moyen galop, il est bien. Et grand galop, on va faire une photo. Et bah, ben, grand galop, ça a l'air d'être bien. La cavalière, elle accompagne le cheval. C'est bien. Allez, on va faire l'arrêt brusque. Voilà. J'ai pris une photo. On voit qu'il se top bien. Peut-être que... Il fait comme le corny, vous voyez le corny. Il s'arrête direct. Et limite, il touche ses membres. Aux membres de devant, les bandes d'arrière. Là, le cabré, il est bien... le cabré, n'importe quoi. Il est bien maîtrisé, l'arrêt brusque. Mais par contre, il se relève pas un petit peu vite, là. Voyez, là. Il vient juste de freiner. On dirait qu'il a mal à l'ombre. Mais en fait, il veut juste se relever. Peut-être pour l'arrêt brusque, il se relève peut-être un petit peu vite. Et là, son membre d'ici, vous voyez là, son membre, on dirait que tu vois qu'il s'est blessé. Et voilà quoi. Alors, on passe au cabré. Ça fait penser au cabré du poney Jean-Vicois. Vous trouvez pas? Voilà, comme ça. Petite photo mignonne. Bah, la cavalière, elle accompagne. Les membres, ils sont bien faits. Ils sont bien mis. Mais vraiment, on dirait le cheval Jean-Vicois. Ou sinon, le Suédois du Nord. C'est pareil. Il y a de la fumée? Non. Bah ça va, je crois que c'est bon. Ah, peut-être la tête. Ouais, il la relève. Peut-être qu'il la pose un petit peu trop. Alors, on va tester les petits sauts. Pour lui, au petit galop, il saute quand même haut. Hein. Je t'avoue, il saute quand même un petit peu haut contre le sol. Le galop, il a l'air bien maîtrisé. Quand il revient... Ah, j'ai pris un bon moment. Et il est en l'air, là, hein, les gars. Il touche pas le sol. Hein. Peut-être qu'il faudrait revoir ça. Il touche pas encore le sol. Voilà. Bah, la cavalière reste assise dans sa selle. Elle met les mains. Son poney, il y a le toupet qui vole, littéralement. Les membres arrière. Membre arrière, il a une bonne position pour sauter. C'est pas mal, hein. Oula. Oula. C'est quoi cette position? Littéralement, on dirait un coup de cul. Je vais prendre une photo.
Là, le poney, il fait le grand écart à peu près là. Je vous avoue, j'ai que bon moment. C'est mignon à regarder. Mais vraiment, il fait le grand écart, le poney. Alors, on va regarder le reculé. Ah, il va quand même vite au reculé, mais après, ça va. On voit qu'il a pas... Il regarde quand même, mais il n'a pas trop peur. Hein. Il fait confiance à sa cavalière qui ne regarde pas du tout, littéralement, je t'avoue. Oui, bah c'est bon. Hein. Bah, il n'y a pas trop de choses à dire. Hein. Il a quelques défauts, ce cheval. Alors, pour le coucher, il est trop mignon quand il fait ça. Mais pas. Youp. Alors, les gars, les chatons, on va aller voir les coupes pour le poney. Voilà, on va aller voir les coupes. Ça fait déjà 20 minutes que je tourne. Je n'ai pas remarqué. Top. Alors, on va à Steve. À Steve, c'est où? Voilà. Non. C'est pas bon. La ferme. Non, pas la grange de Burk. On va aller à Steve. Voilà, on va aller voir les coiffures et après on se laissera sur. Voilà. On se laissera sur ça. Bon, pour vous dire, le cheval il est quand même bien fait. Et ce soir ils ont bien réussi. Ma petite grimace. Allez, on y va. On va aller voir les coiffures, je pense. À moins que je vais lui changer. Voilà. Ah, il y en a d'autres qui ont les mêmes que moi. Eh, regardez. Là, j'arrive au coiffeur. Qu'est-ce que je vois? Deux filles qui ont le même que moi. Allez, on va aller voir les coiffures. Alors, on a la coiffure courte. Qui est comme ça. Après, elle est des deux côtés. Ça lui rend un petit côté vraiment garçonné. Une petite toupée trop mignon. Eh, hey, j'hésite hein, à prendre la courte, elle est trop mignonne. Ça fait poney, j'ai envie quoi, j'ai l'impression. Les pions, ils sont bien réalisés, ça fait petit corli, j'ai l'impression. Oui, tout ce cheval ressemble à tout et à rien. Je me suis trompée de coiffure, hein, c'est ça. Poney, tu veux bien lever la tête? Merci. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant... Pour ces crins-là, je trouve que ça lui va pas trop. La crinière longue ou je sais pas. La crinière épaisse, on va appeler ça. Oh, ça fait trop mignon de ce côté-là, regardez bien. Comme ça. Et ce côté-là. Oh, trop chou. Après, il y a un petit toupet. Ça qu'on n'imaginait pas. Oh, elle aussi. Ça va, elle est plus fine sa queue. Allez, celui-là. Ah, et on dirait qu'il a les petits... Il a des poils, ça ne lui va pas trop. On dirait un pur sang anglais avec cette coupe-là. Par contre, je ne sais pas si les coupes, elles sont animées, ceux-là. Attends, je crois qu'il y a un petit problème au toupet. Poney, relève ta tête, s'il te plaît. Merci. Non, ça va. Oui. Ouais, ça va. J'ai trop hâte d'essayer cette coupe. Ça lui rend trop mignon et trop chou. J'adore. Waouh, trop mignon. Tuc. Oh, trop mignon. La queue est pareille. Oui. J'hésite en fait. Je le trouve. On dirait un petit fjord avec sa petite queue. Son petit comme ça. Je sais pas si je regretterais. Là, il a son air mignon et il a son air encore plus mignon. Coupe en brosse ou coupe pas en brosse? Sinon, si j'en achète un deuxième, il faut le mettre en brosse. Je trouvais que ça donnait trop bien sur le noir en brosse. Parce que je m'achèterai le noir peut-être un jour quand j'aurai de l'argent, bien sûr. Mais c'est trop mignon, je t'avoue vraiment. Ça, il n'y a pas un poney plus merveilleux que ça. J'hésite. Hein. J'hésite littéralement dans ma tête. Bon, je lui mets. Je t'avoue, je le mets. C'est trop mini. Mimi. Voilà, mon petit chouchou.
Super. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était l'achat du cheval. L'achat du cheval finlandais. Voilà, ma petite grimace et moi, on vous souhaite que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous, bien sûr, hein, Grimace? Oui, il est content, hein. Abonnez-vous. Likez les vidéos, ça fait aussi plaisir. Et partagez, comme ça, il y aura plus de vues. Bisous. Mouah. Vous pouvez regarder toutes les autres vidéos sur le centre équestre de Lilou. Mouah. Bye. Une vraie masque. Couchez.